Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Bonjour à tous, bonjour à toutes ceux qui vous voulez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que votre rentrée s'est bien passée ou qu'elle sera plus tard. Je ne sais pas quand est-ce que vous avez une rentrée d'ailleurs. Voilà, donc on va se le dire clairement, moi je sais que c'était mardi ou ça peut être jeudi, j'en ai aucune idée. Bref, en tout cas cette vidéo sortira le mercredi après-midi, je vais la tourner le mardi soir juste après ma rentrée, c'est pour ça que je dis ça. Bref, donc en tout cas j'espère que c'est très bien passé. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour du Hearthstone. Ça fait pas mal de temps, je vous avais fait la présentation du jeu qui avait fait un petit flop, on va dire, sur la chaîne. Mais du coup, bah moi je m'en fous, hein, que ça fasse des flops. Moi je fais des vidéos pour m'amuser. Et donc un peu pour les abonnés aussi, et les j'aime et tout ça, voilà. Et donc aujourd'hui, donc j'ai commencé une arène. Et donc je voulais vous en faire part. Donc d'abord je vais vous présenter mon deck. Ma collection, donc mon deck favori. Donc on va faire une partie avec mon paladin. Et puis en deuxième temps, pour une prochaine vidéo, je vous continuerai mon arène. Donc voilà, donc tout d'abord faut savoir que le paladin, je joue souvent soit en taunt, vraiment taunt, et avec des boucliers divins. Donc voilà, et un peu de heal, mais bon pas beaucoup, bref. Donc tout d'abord en carte 1-1, qui est très intéressante, c'est le noble sacrifice. Le noble sacrifice c'est un secret qui, quand quelqu'un vous attaque, une petite créature, un défenseur appelé de 2-1 apparaît et la cible attaque ce défenseur à la place de vous-même. Donc il faut qu'il vous attaque vous, le personnage, le héros. Ensuite j'ai pris l'archer pour infliger des dégâts, un point de dégâts dès le début de son tour. Ensuite le gnome lépreux qui est un très bon héros, j'ai pu en créer qu'un pour l'instant, mais dès que je peux j'en crée deux, qui quand il meurt inflige 2 points de dégâts au héros, qui est très intéressante, c'est une très bonne carte. Sanglier Boschrock, c'est parce que ça coûte pas très cher, ça une charge, bon, c'est pas aimé de beaucoup, mais moi j'aime bien, ça permet d'agresser, voilà. Ensuite, Amasseur de butin, ça permet pour la pioche. Lui, c'est pour les invocations, pour le board control. Le bouclier divin, comme je vous parlais, la croisée écarlate. Le grizzly fer poil pour le taunt. Le singe, moi je l'appelle le singe tout simplement, pour la provocation. La championne en vrai argent, donc ça c'est pour les attaques avec mon personnage et le heal, mon héros. Ça c'est pour le buff, ça c'est pour le board control aussi, qui inflige 2 points de dégâts à tous les adversaires en face. Marteau du courroux pour les dégâts et sans doute pour les finishers. Ensuite de 2-5 qui peut être intéressant en charge et importante à détruire. Je pense qu'avec une bonne carte bénédiction des rois qui est ici, pardon, ça peut faire plutôt mal comme carte, bon bref. Ensuite, maître bouclier de Sanjin pour le taunt. Drake Azur, donc ça c'est pour la pioche et en même temps c'est une très bonne carte je trouve pour du 5-4-4. Le champion hurlevent quasiment obligatoire je trouve pour un deck paladin, donc 2, qui est pour le buff et qui a un bon stuff, une très bonne carte. Et gardien des rois qui rend 6 points de vie à votre héros, donc 2, qui est une très bonne carte aussi, mais ce sont des cartes late game. Donc mon jeu est principalement mid game, je dirais. Et donc voilà ce qui est intéressant dans mon deck, c'est qu'au début je vais pas être forcément très fort, ou je vais entamer pas trop mal avec mon gnome lépreux et mon archer, avec une bonne pioche. Mais sinon c'est plus du mid game, où le but ce sera vraiment de le défoncer dès le début. Donc voilà, donc bah, nous on va lancer une partie évidemment, donc nous on va sélectionner notre paladin. J'espère que vous entendez pas trop mes clics, vous voyez mon classement est médiocre puisque je n'ai jamais joué encore classé. Donc je suis totalement différent des personnes que vous pouvez voir sur YouTube, du type les mecs ils ouvrent des paquets, ils ont des légendaires, c'est des mecs ultra forts. Moi je suis plutôt une grosse merde à ce jeu, voilà, clairement. Et j'y joue pour m'amuser, j'y joue pas pour la compète, pas pour rien. Contrairement à League of Legends où mon but c'est vraiment de progresser et d'augmenter à des paliers. Là c'est différent. Hearthstone c'est vraiment pour m'amuser. Et franchement, je pense que ce jeu est pas nécessairement à prendre. Comment dire, au sérieux. Si vous voulez, le jeu est fait pour être drôle.
Enfin, je trouve qu'il a un humour certain et je trouve qu'il faut le prendre dans le tel. Donc prêtre, j'aime pas trop cette classe contre les paladins, je trouve ça plutôt fort. Donc là je suis plutôt content, donc j'ai gardé ma croisée écarlate et mon sanglier Boshrock. Mais on va remplacer le gardien des rois, puisque c'est une carte late game et le but c'est qu'on lui mette beaucoup de dégâts. Championne en vrai argent, bof. C'est pas hyper beau, hyper bien pardon. Donc bah nous on commence très bien puisqu'on a notre carte charge. Qui est très pratique en début. Voilà, donc ensuite on a le marteau du courroux, très très moyen dirais-je comme carte en début. Il faut attendre quelques tours. Donc là ce qui est bien c'est qu'on va lui mettre 2 points de dégâts en 2 tours, donc ce qui est raisonnable, plus un petit token histoire de continuer. Il ne pourra pas buter les deux à part s'il a une consécration, ce qui est très improbable, ou un sort de zone pardon. Pourquoi je dis une consécration? Qui est très improbable de toute façon en 2-2, en 2 pardon. Là il va invoquer une carte 3, voilà, qui est très intéressante, un excès de rage dès que... Je sais plus c'est quoi, je crois que quand un ennemi meurt à côté de lui, il gagne 3 points d'attaque. Donc voilà. Donc nous on va faire ça. Et on va le trade. Là il va prendre 5 points d'attaque. Et il sera obligé de détruire cette carte là. Donc c'est un joli trade. On a perdu certains points de dégâts, mais... Grand 2 PV, ce qui est inutile parce que s'il veut trade sans je le détruis au prochain, pas du tout, pas du tout. Là du coup c'est inutile, c'est devenu inutile. Je sais pas si c'est utile de protéger cette carte. Allez, on l'a voilà. Toujours un petit board contrôle, ça va se faire. Alors comment ça se passe? Je sais pas si vous entendez ma souris, c'est une nouvelle souris, mais elle est très creuse, du coup on entend pas mal les clics, donc j'espère que ça vous gênera pas, sinon je reprendrai mon ancienne. Voilà, donc le board contrôle pour lui, or c'est sympa. C'est sympa, toujours avoir un or comme ça. Donc voilà, une carte charge très intéressante. Moi, pour l'honneur. Je détruis cette carte là. Le but c'est vraiment qu'il m'inflige 0 points de dégâts dès le début. Ah 3 points. Bonne carte, très bonne carte. Il a des bonnes cartes en or. Au prochain tour, s'il me détruit pas mes deux cartes, je lui inflige 6 points de dégâts. Donc ça va faire mal. Je dois réfléchir. Que justice soit faite. Ouais, ça peut m'infliger 2 points de dégâts après. Bien joué. Et en plus, je m'inflige 2 points de dégâts, c'est bien joué. Un bon trade de sa part. On détruit le buff parce qu'il peut poser une grosse carte et ça peut buffer et ça peut finir le match, on sait jamais, c'est toujours un point de vie près des fois qu'on gagne. Donc le prêtre c'est plutôt chiant parce que voilà. Hop, mon petit secret qui va faire pas mal de dégâts à cette bête. 2 points de dégâts c'est pas négligeable.
On va finir avec un marteau du coup, je pense. Fournace, ça sera foutu. Qu'est-ce que... Pour la justice. On va se régénérer tout simplement. Bon, ça c'est en cas de grande nécessité. Un tir, un mort. La pioche. Sympa. Petit tour sympatoche. Par contre, faut détruire sa carte qu'il a là. Ça va péter les culs. Alors, que va-t-il faire? Il a un joli dessous de carte, je trouve. Elle est sympa. Très sympa dessous de carte. Moi, j'en ai pas. Très bien. Ouais, pourquoi pas. Il va lancer une carte sort au prochain tour, j'imagine. Contemplez la puissance. Je vais lui mettre un maximum d'années. Je n'ai pas d'autre choix de toute façon. Je trouve. Donc là, qu'est-ce qu'il peut faire? Soit il détruit mon hurlevent, ce qui est un joueur stratégique, mais au prochain tour. Par contre, là, un fléch... Oh, putain, le mec il a payé, moi je vous dis. Hein. Le mec il a payé en face. Hein. Justice. Au combat. Pour l'alliance. Au combat. Je vais tenter le coup. Faut pas chercher longue défense. Au prochain tour il est mort s'il ne peut pas tout bloquer. Et en plus j'ai ma bénédiction des rois encore. S'il ne me tue pas, il ne me tuera donc jamais. D'accord, ok. Bien joué. On va lui dire bien joué. Ah c'est bien joué de sa part. Je vais en refaire une. Il a très bien joué à la fin, deux contrôles mentaux, deux frappes mentales, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, donc j'avais un punaise de board control à la fin, très bonne main je trouve, que j'ai eu. Après j'ai peut-être mal joué à certains moments, j'aurais peut-être dû mettre le board control très vite, ça n'a pas été le cas. Mais de toute façon je pense qu'il m'aurait tué, quoique non, franchement si j'avais réussi à buter, je pense à la fille là, qui soigne, comment elle s'appelle déjà, je ne souviens plus le nom. Bah, j'aurais sans doute pu gagner. Donc on va y se refaire un match. Donc c'est pas grave hein, si je perds, le but c'est d'apprendre un chasseur. Oui ça va. Je trouve pas ça super fort les chasseurs. Après il y en a qui jouent très bien. Ce qui est dommage. Donc là j'ai quand même avec des cartes plutôt nulles. J'ai pas la pièce. Espérons tomber sur de bonnes cartes. Bon. On va dire que ça va. Bon, on va dire que ça va quand même. On pose le sort. Excusez-moi si vous entendez des sons à côté. La pièce, qu'est-ce qu'il va mettre? Le buzzer affamé. Un sort de butin, très bonne carte. Travail terminé. Du but, hein. J'aime bien cette carte, elle est marrante. Le petit secret qui va la tuer. Meurs, bizarre. Voilà, on va mettre le gros taunt. Et là, le chasseur, ça se soigne. Pas du tout. Donc le but, ce sera de lui infliger vraiment des dégâts rapidement. Vous savez, c'est comme sur League of Legends. Donc je viens souvent sur League of Legends parce que c'est un de mes jeux préférés. Un assassin du type Rengar, je ne sais pas qui d'autre. Très bonne carte, d'accord. Si vous avez un assassin, le but, c'est de lui infliger vraiment beaucoup de dégâts. Et ça a très peu de vie, donc. Donc là, le... Comment il s'appelle?
Le chasseur, c'est un peu le même cas. C'est que le but, ce sera d'infliger énormément de dégâts en très peu de temps. Et si vous n'y arrivez pas, bah clairement, vous pouvez pas vous soigner, quoi. Peut-être qu'il y a un sort de heal, j'en ai vraiment aucune idée. Mais le sort, en tout cas, du chasseur est vraiment hyper intéressant, je trouve. Très bien joué. Je pensais pas que ça pouvait faire autant de dégâts, par contre, cette carte-là. Un peu abusée, je trouve. Mais bon. Donc là, il va rager, parce que franchement, c'est très très chiant de tuer des taunts à la chaîne. Là, j'en ai encore un, puis après, j'ai mon sanglier. Le sanglier, s'il les détruit pas, ça, c'est chiant. Donc voilà, par contre, lui, il a beaucoup de cartes en main. Bien joué, il a un bon deck. Ah, très très bien joué. Très beau tour. Il a vraiment très bien joué. Faut pas chercher l'en défense. Voilà. Cette carte là est là depuis le début, faut vraiment la tuer. Après du coup maintenant elle ne peut pas tuer mon taunt sauf avec une carte sort. J'espère pas que ça va sortir évidemment. Faites-toi un peu. 6 points de dégâts. Oh merde, putain une bonne carte. J'ai vraiment pas de chance hein, ce coup là. Par contre là il est tombé sur une très bonne carte hein. Là il a eu du bol hein. Il a eu du bol. On va détruire cette carte là. On va invoquer celle-ci. Tu vas tâter de l'enfer, porc. Allez, on va détruire ça. Un mort. Et un petit taunt, c'est jamais de mal. Alors, qu'est-ce qu'il va nous faire maintenant? Aznox. Il a un bon deck, franchement. Puis il a très bien joué. Il a eu surtout eu de la chance là, sur sa carte. Les portes sont ouvertes. Oh merde. C'est un bon taunt. Un bon taunt. Merde, putain. Franchement là, c'est chaud hein, de faire ça. L'avantage c'est qu'il va avoir du mal à me la tuer là. Puis j'ai encore un noble sacrifice derrière. Mais le problème c'est qu'après j'ai plus de cartes et lui il en a plein quoi. Et puis il a encore des cartes voilà du style comme ça là. Ils sont très chiantes. Pour la justice. C'est un risque. Tu vas tâter de mon père, porc. Bon bah au prochain tour je le laisse, il ne fait rien. J'ai encore un noble sacrifice qui peut me sauver. Est-ce qu'il va capituler? Il paraît que vous avez un problème. Jolie carte. Punaise, il a de bonnes cartes lui aussi hein. Des cartes en or, c'est joli. Bonne carte aussi. Son paquet a l'air moins gros que le mien hein. Je ne sais pas. Il a pioché la bonne carte. Pas du tout. Pas du tout du tout. Il a l'air foutu. Bien joué. Bien combattu. Si. Bien joué à toi aussi. Bon bah voilà. On a gagné 10 de thunes. Lumière sacrée en or, jolie. Carte que je ne joue pas, donc j'en ai rien à foutre, mais bon. Donc on va faire un petit retour, donc je vais vous faire un petit rappel quand même de mon deck. Je sais que ça peut faire chier certains, mais moi j'aime bien faire des rappels. Au pire, vous squeezez la vidéo. Donc voilà, une petite carte en or, sympathique. Donc je rappelle mon deck qui marche
coup-ci, coup-ça, hein, quand même, hein. Il faut l'améliorer, je pense. Mais bon. Donc, noble sacrifice, deux nobles sacrifices, une archère elfe, un gnome lépreux, enfin deux gnomes lépreux si vous pouvez, un petit sanglier bosh-rock qui est intéressant dans l'early game, un amasseur du butin, et je pense que vous pouvez le remplacer par... Attendez, un écumeur murloc qui est intéressant aussi, une provocation du soldat de la comté, de comté de l'or, qui est très intéressante, une bonne carte je trouve aussi. Après, vous avez l'autre. Cette carte-là, mais elle n'est pas en 1, donc c'est moins intéressant du coup. Et sinon, vous prenez le Docteur Poudou, que j'aime pas trop, je trouve ça pas mal. Mais franchement, le mieux c'est de prendre aussi deux archères elfes. Voilà, je pense que ce deck est pas mal. Donc un gnome lépreux, un amasseur butin, de butin, pardon, chasseuse de tranches bouge, pardon, croisée écarlate, deux croisées écarlates, deux grizzly fer poil, deux singes. Deux championnes en vrai argent, pardon. Deux bénédictions des rois, deux consécrations. D'ailleurs, j'ai pas pioché de consécration, c'est dommage. Deux marteaux du courroux. Deux courroux. Un chevalier de Hurlevent. Deux maîtres boucliers de sang. Oh punaise, et puis crottin. Un Drake Azur. Si vous pouvez en avoir deux, c'est pas mal. J'aime bien les Drake Azur. Très bonne carte que j'ai craftée d'ailleurs. Deux champions. Deux Hurlevent et deux Gardiens des Rois pour le heal, bien sûr. Donc voilà, donc on va voir un peu les cartes que je peux désenchanter. Voyons voir. Ouais, non. Celle-là est très peu intéressante, mais je la garde quand même en fait pour le mage qui je trouve est intéressante. Et attendez, celle-là je peux la crafter? Ah ouais, je peux la crafter, d'accord. J'hésite à me prendre un petit golem des moissons qui est une très bonne carte, je trouve. Mais bon, on verra bien. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bouclier différent. Ouais. Oh, j'ai. Oh, belle provo. Ouais, bof. Elle attaque pas très fort. C'est dommage. Très casure. Après, on a les cartes légendaires. Hein. 4600, putain. Déconne pas hein, sur le prix, par contre. Hein. Très bonne carte, le tigre. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Furie des vents, je trouve ça bof. Hein. Faut qu'elle tienne longtemps, faut avoir de bonnes cartes de protect. Ouais, je trouve ça pas terrible. Après, c'est sûr que si vous la mettez, ça fait très mal. Furie des vents, ça permet en fait d'attaquer deux fois de suite. Ce qui est violent. Voilà. Donc, alors, attendez, je vais voir un peu mes quêtes. Donc là, j'ai fait 1 sur 3, ce qui va me rapporter 40 pièces. Ah, j'en ai fait en poulet, en truc. D'accord. Donc là vous allez voir mon prochain ma prochaine truc. Donc c'est pour le dernier match d'arène, de mon premier arène. Donc j'ai vraiment un deck de merde, hein, je vous préviens. Je suis pas du tout habitué en arène de créer des bons decks. Je suis tombé sur de. Enfin, il y a des bonnes cartes, mais le souci c'est que franchement. Voilà, je suis tombé sur des cartes hyper haut, quoi. Contrôle mental, j'en ai deux, ça me sert à rien. Non, j'en ai une, pardon. Le truc c'est que je vais jamais en fin de game quasiment donc voilà donc bah, je vous remercie d'avoir liké cette vidéo. Petite dédicace à Need for Craft 2 pardon qui nous a fait qui nous a félicité en commentaire. Si on n'a pas réussi, je sais pas encore parce qu'en fait je sors de cette vidéo, il y a Texas qui essaye justement de lui envoyer un message, malheureusement ça n'a pas trop fonctionné. Bref, si on n'a pas réussi à le contacter, je te remercie ainsi que Texas, mais on le fera sans doute dans une prochaine vidéo à deux de faire ça pour nous, il a aucune raison de faire ça, mais bon. Donc bah ciao tout le monde et à une prochaine vidéo. Salut.